Yo les gens, c'est Dark Survie aujourd'hui, on se retrouve pour du Forza Horizon 5. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite, des petites co-courses. Donc, j'ai un peu avancé les quêtes, parce qu'il y a des quêtes, donc les défis saisonniers de la semaine, on va dire, parce que c'est clairement des défis semaine, moi je trouve. J'en ai déjà commencé quelques-unes. Je vais voir si je peux en faire quelques-unes aussi avec vous. Donc on va faire, je pense, quelques radars. On va essayer de faire quelques courses normales. On va pas se précipiter, mais on va essayer de faire un minimum. On va essayer de faire un minimum. Donc voilà. Alors, posséder, piloter, gnagna. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait pas mal de trucs. On va essayer de faire l'éliminateur ensemble, parce que c'est quand même mieux. Mais avant de faire l'éliminateur, on va faire une course. Oui, on va faire une course. J'étais en train de chercher mes mots. Ouais, ravi aussi. On se voit tous les jours, mais ravi de te voir aussi. Hop, je prends ma voiture. Et on va aller jusqu'à l'éliminator ensemble. Donc voilà. Allez, voilà où ? Allez, voilà où ? Par contre, voiture, et courrier. Ça c'est les actualités de Forza Horizon. Les cadeaux, cadeau livré. Ok, cadeau a été livré. Ok. J'ai point Forza off téléchargé et on va déjà faire un super tirage et on le fera le deuxième plus tard avec l'Axon, Porsche Cayenne et un peu d'argent. Ok, je ferai l'autre plus tard. Ok, j'ai plus rien. Et là, on commence à avoir pas mal de bagnoles, moi. 146 véhicules. On commence à devenir quand même intéressant. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une course qui va jusqu'au Forza Eliminator? J'ai pas l'impression. On va rouler. Écoutez, on va pas prendre tout compte fait, on va pas faire de course. On va déjà faire une force. On va faire déjà l'éliminator. Et puis on achètera peut-être une voiture en fin de journée. Donc faut que je fasse au minimum place 30. À l'éliminateur, donc on va essayer ça. Petit bug d'Overmedia, désolé, mais moi j'ai eu un gros bug. Je sais pas si ça a été si ça a coupé au truc, mais j'espère pas. J'aurais pu sauter, mais j'ai pas envie. J'espère pas que ça va bugger. Cadeau Horizon, super. Hein?
Ah oui. En ce moment, c'est surtout ça. Ça, c'est cool parce que clairement, les gens mettent des voitures, mais bon. Le truc, c'est que la plupart, on les a déjà. Pour beaucoup. Mais. C'est encore buggé. Je pense que c'est juste l'overmedia qui bug. De toute façon, je regarderai au montage si ça bug ou pas. Sinon, je coupe, je ferai des montes. Je couperai au montage. Si c'est vraiment. Par contre, moi, je voudrais bien une voiture. C'est parce que il y en a, ils font des sauts immenses avec leur bagnole, donc faut que je me la prenne. Pourtant, j'en ai déjà une. J'arrive à faire pas mal de petits sauts. Bon, on arrive. Et merde. Il n'y a pas grand monde sur la session, j'ai l'impression. Or moi, en ce moment, comme dirait l'autre, j'essaye de faire un peu de tout. Alors j'essaie de faire de l'éliminateur au moins une fois dans la journée. Et j'essaie de finir quelques courses, voire faire les autres, des anciennes courses que j'ai déjà faites, pour me faire un peu de thunes. Ouais, surtout que là, on peut pas mettre la map. Préparez-vous. Préparez-vous, vous allez décoller! Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont mis l'éliminateur là, à la place de le mettre en zone urbaine. C'est vrai qu'il est clairement. Les bruits environnement sont vraiment. Et là. Oh, le boulet, va, connard, va. Qu'est-ce que tu fais avec ta bagnole? Dégage, on entendait les fidèles. Les fidèles, les crissels. Les cicadelles. Bon, allez, grouille-toi, préparez-vous, Eliminator. Donc, je tourne à la suite de Génération 0 Day. 0, Génération 0. Je tourne à la suite. Pourquoi je ne tourne pas The Crew? Parce que The Crew est en mise à jour. The Crew 2 est en mise à jour. Ouais, est en pleine. Et Forza, bah ça, Fortnite, ça sera ce soir. Donc je tourne la nouvelle. Ta gueule!
ta gueule, quoi, j'ai envie de te dire, ta gueule. alors, attendez. Voilà. J'ai repéré une zone, donc je me mets là. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui doivent repérer certaines zones. Une fois qu'ils l'ont repéré, je pense qu'ils doivent se mettre à minimum au même endroit. Donc un de ces quatre, je me retrouverai avec 2, 3, 4 personnes au même endroit. À part si, si tu spawnes trop, ouais, il y a la fumée, on la voit. Oh. Oh putain, alors là par contre. Réduction de l'arène. Ouais, déjà? Alors par contre là c'est dégueulasse parce que en temps normal il y en a toujours un ou deux. Je vois de la fumée là-bas mais c'est sacrément loin. Je voudrais au moins finir 30e en fait. Même si je fais pas de course ou quoi que ce soit, je voudrais au minimum finir 30e. Si ça vous dérange pas les gars. Alors j'ai pas l'impression qu'ils sont trop foulés aujourd'hui. Oh. Bah déjà une 5, c'est déjà pas mal. Ah bah en plus c'est le tout-terrain, ça c'est cool. C'est quoi ça? C'est une 2, ok, fort de... Okay, bon. 37. Il y en a qui vont être éjectés rapidement, j'ai l'impression là. Après, comme dirait l'autre, j'essaye pas les... Par exemple, si je croise une coccinelle, bon, c'est vrai que sur les coups, quand tu commences dès le départ, moi, c'est ce que j'ai fait pendant une session. Jouer contre les coccinelles, c'était très... C'est marrant au début, mais à la fin, c'est que les gens ne peuvent même pas... peuvent pas chercher une bagnole ou quoi que ce soit, donc c'est un peu chiant pour ceux qui viennent de commencer, clairement. Je crois bien qu'il y en a une là, c'est une coccinelle. Je crois, je suis pas sûr. Bon là je veux finir 30e parce que sinon je voudrais bien avoir mon 30 là d'acquis. Moi, ça me ferait une course de gagner. À part si il a décidé de quitter, mais bon. Ouais,
Je suis désolé, mais là... Là, j'étais obligé, parce que sinon, ça aurait été trop long. Hop, je l'améliore. On va voir si on peut trouver d'autres véhicules un peu plus... Ouais, non. Je pense qu'après, c'est que du 2-3. C'est du 2-3. Ouais. Bon, moi, j'ai fait mon toka. J'ai fait mon bordel plutôt bien. J'étais un peu dégueulasse sur ce coup. Mais je viens de vous dire que je prenais plus les coccinelles. Mais bon... Il n'y en avait qu'une, là c'était la seule qui était dans le coin. Et à vous dire, ça sert à rien d'avoir une voiture trop rapide, parce que le souci des voitures trop rapides, Wow, bah alors là, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. J'ai eu un bol de fion, là. Ouais, je me suis pris l'arbre au dernier moment, mais bon, c'est pas grave, je voulais pas, j'ai fait mon 30, donc j'ai rien à me plaindre, clairement, rejouer, non, quitter, parce que sinon ça va être trop long, et puis je voudrais vous faire autre chose, donc le niveau supérieur, niveau 115, avec une petite roue. Mais bon, je ne regrette rien parce que déjà 19, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc clairement, je n'ai pas à me plaindre. Et je m'en suis douté à partir où je me suis pris là. Quand j'ai vu les sauts que je me prenais, je me suis dit si je me prends pas un arbre, surtout que je faisais un sans fat depuis tout à l'heure. Donc je me suis dit, c'est quand même chelou. Donc, j'ai une distinction. J'ai une nouvelle distinction. C'est une distinction voiture. Ok. Porsche Turbo S. Ah, mais je crois bien qu'il me la faut. Je crois bien qu'il me la faut. Je crois bien. Attendez. C'est tout. Parce que je crois bien que... ah non, c'est la Ferrari 488. Ouais. La Porsche, c'était celle d'avant. Alors ça veut dire que je l'ai en double, la Porsche. Ça veut dire que je l'ai en double. On va aller la mettre dans un garage et puis on va faire cadeau, je pense.
Zodiac. Ouais, je l'ai en double. Comme vous le voyez, je l'ai en double. Donc j'allais la mettre dans un garage. Pour ceux et celles qui jouent à Forza Horizon, moi je pense que quand j'aurai des doubles voitures, si ça vous intéresse, vous me donnerez dans les commentaires votre nom et la voiture que vous voulez peut-être. Donc à partir de là, je la mettrai dans un garage et vous la recevrez en tant que cadeau. Donc en fait, vous la recevrez comme ça là. Là, par exemple, j'ai un cadeau à aller chercher. Mais je pense que c'est encore une bagnole. Je peux même aller la chercher avec vous. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Doucement, 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 doucement. Bon, je suis pas dégoûté. Alors, l'éliminateur en temps normal, c'est vraiment mon taux. Là, je pense que je l'ai même peut-être même fait exprès de prendre l'arme parce que clairement, je l'ai vu arriver l'arbre et j'ai pas braqué, j'ai rien fait. Donc, je pense que je lui ai laissé clairement la victoire. Non mais. C'est pas un virage, ça, c'est un chemin de terre qui vous emmène à une merde. Oh, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Donc, il y a le garage. Donc, par exemple, moi j'ai le cadeau. Donc, hop, je vais le chercher. Donc ça fait comme si vous recevez une voiture d'un garage. Donc moi je les ai toutes. Donc c'est pas trop. Ok, ils sont pas tous atteints dans ce jeu. Alors ça se présente comme ça, en tant que cadeau. Ça dépend ce que c'est comme bagnole. Ouais, c'est la même, c'est toutes les mêmes. Je l'ai en trois fois, je crois bien celle-là. Je l'ai en trois fois, mais c'est n'importe quoi. Je laisse même pas de message quand c'est comme ça, parce que le truc, c'est que la plupart des gens sont pas généreux. À la place de mettre des bonnes voitures ou quoi que ce soit, et je suis en train de remarquer qu'il y en a pas mal, c'est toutes les mêmes en fait. C'est chiant, c'est chiant. C'est. Je sais pas. Ils ont pas. Là par exemple, moi je fais ça. Je sais pas. Tu laisses un cadeau dans un garage. Bon bah c'est gentil. Mais. Tu laisses une bonne bagnole quoi. Tu t'arrêtes de poser des bagnoles à la con quoi. Sérieux. Je crois même que je l'ai en double. Celle-là. Là. Même en triple, je crois. Ouais, je l'ai en double. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, je l'ai en mode Forza Edition, c'est cool. Mais je l'ai là et je l'ai là, c'est la même quoi. 98. Ouais, je l'ai en trois fois. À un moment donné, il faut arrêter. Joueur en nouveau membre temple renommé. Nouveau joueur. Bienvenue à Horizon, profite bien de ton aventure. Non, je préfère pas mettre de signal de nom. Cette voiture sera supprimée de votre oui, ne plus monter. Et là, le truc, c'est que là, bon, là, ça, c'est bien, c'est gentil. Mais là, par exemple, moi, je vais supprimer les deux autres, quoi. Parce que c'est chiant. Casse-couille, quoi. Ils font des.
Les joueurs qui font ça, c'est vraiment des abrutis, quoi. Et ça, par contre, Forza, le truc, c'est que quand vous avez un certain nombre de bagnoles, là, je l'ai en trois fois. Bon, celle-là, bon, c'est une Forza édition. Mais quand vous voyez qu'on a pas mal de voitures, dans ces coups de temps-là, faites qu'on puisse au minimum soit les vendre, ou soit, je sais pas, que ça soit modifié en tant qu'argent. Parce que là, clairement, c'est chiant, quoi. D'avoir trois bagnoles de la même catégorie, c'est bon, quoi. À un moment donné, c'est soit vous vous foutez de notre gueule, ou faut arrêter vos conneries, quoi. Que par exemple, bon là, moi, là, j'ai les 911, j'ai les 3 911. J'ai les deux, pardon, oui, j'ai les 3 911. Hein. J'ai celle de 2018, j'ai celle de 2019 en Carrera-S, et j'ai celle en GT3 RS. Bon, c'est pas les mêmes, mais au moins, voilà, je les ai. Mais si je vois que je les ai en double ou en triple, je veux pas aller m'amuser à, voilà, à... possible ça. Je ferme même nouveau joueur. Bienvenue. Sans game tag. Alors je sais, là je suis un peu salaud, mais là le truc c'est que moi je cautionne pas ça, parce que là le truc c'est que là les deux bagnoles, là les deux rouges je les ai, quoi. C'est pas comme si certes, si vous les utilisez pas, vous les utilisez pas, mais dans ces coups de temps-là, gardez-les dans votre garage, quoi. Et je suis sûr, et en plus de ça, bon, vous laissez pas de game tag, mais en plus de ça, vous êtes super chiant, les gars. C'est. Je vais peut-être même faire tout le monde, comme ça. Un petit cadeau, sans game tag. Voilà, parce que sinon, c'est trop long, il y a trop de joueurs qui. Sérieusement, les gens. Arrêtez, hein, sans déconner. Arrêtez les cadeaux comme ça. Hein, surtout des cadeaux pourris. Surtout que la plupart du temps, les gens, comme c'est comme ça, on a toutes les mêmes bagnoles. Surtout à un certain niveau. Moi, je suis niveau 115, là. Il y a certaines bagnoles, on les a déjà toutes. Et quand c'est des doubles bagnoles, on sait que c'est supprimé. Que là, vu que c'est des cadeaux, bah, ça supprime pas. C'est ça le problème. Bande de choux-fleurs. Faut arrêter vos conneries, les gars. Sans déconner. Bon, allez, on va aller faire une course. Alors, attendez. Une course. Où nos courses Je l'ai pas faite celle-là. Pourquoi il n'y a pas de. J'ai pas de truc bleu en dessous. C'est bizarre. C'est bugué. Qu'est-ce qu'on a là? Porsche 911. Ok. Ouais, on va aller faire celle-là. Hop. On va se TP, puis on va faire celle-là, puis on se laissera après. Bah, dans ces coups de temps-là, je vais vous laisser en course. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'était Drac Survie. Puis bah, bonne fin de vidéo. Et à la prochaine. C'était Drac. Peace.